depuis 2-3 matchs, je pense que ce qui nous manque, c'est la constance défensive dans ce qu'on fait. On est bien défensivement, mais par période. C'est-à-dire qu'on fait des efforts, mais à côté de ça aussi, on est capable de prendre l'eau défensivement sur, sur un, des balles perdues, deux, des errements défensifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'assumer un match sur 40 minutes défensivement. Donc il faut qu'on allonge encore plus notre concentration défensive et qu'on arrive à être beaucoup plus consistant par rapport à ça. Je pense que simplement, sur le début du match, on est bien en première mi-temps défensivement. Après, on prend l'eau à un moment. C'est sûr que quand on perd 3-4 matchs d'affilée, on se pose toujours des questions. Mais pour pouvoir regagner, il faut qu'on défende et qu'on soit plus présent défensivement par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On est capable de faire des choses bien, mais il faut qu'on arrive à le reproduire, comme je le dis. Je reste simplement sur cette option-là. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque dans notre jeu. Après, le reste en attaque, si on arrive à faire un ou deux stops de plus défensif, on va pouvoir être sur ce qu'on a montré sur les 15 premières minutes du match. Je ne pense pas qu'il y ait une usure physique. Je pense qu'il y a des balles perdues. Je pense qu'il y a, il y a des rebonds qu'on laisse à des moments où on défend bien sur le troisième carton. Il y a un petit peu de maladresse, mais il n'y a pas d'usure particulière physique. Il y a qu'on soit un peu plus concentré par rapport aux options défensives qu'on prend et aux choix qu'on prend. On doit être capable de toucher un peu plus les adversaires et d'être un petit peu plus agressif dans le contact.